Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles, enlève toutes les fautes, et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice. Les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lit, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum, comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur.